sculpteur. Sculpteur bizarre qui dédaigne la cire, le marbre et l'airain. Au fond de l'atelier chagrin, je pétris de la chair qui saigne. Dans les palais aux lits discrets, dans les mansardes, dans les bouges, dans les taudis aux rideaux rouges, dans les sinistres lazarets. Les ongles de mes mains félines, aidés de l'acier des couteaux, des bistouris et des ciseaux, je vais, crochetant les poitrines, coupant, fendant, creusant les chairs, avec des hâtes convulsives, et les repliant toutes vives, comme deux volets larges ouverts, et j'arrache en criant de joie, rouge, fumant et bondissant, les cœurs vierges, les cœurs puissants, les cœurs d'amour, les cœurs de proie. Et de tous ces cœurs comprimés, je construis mes sombres statues, dressant leurs forces éperdues, en gestes cruels ou pâmés. Les mains qui les ont caressées sont pleines d'un sang rouge et frais, charriant des instincts secrets, des volontés et des pensées.